Maintenant coupe le truc là. Le flash? Ouais. Tu penses que c'est trop? Ouais. Ça t'éblouit? Oui. Salut les amis, c'est Chaos. Et Harmony. Alors aujourd'hui on a 4 brocantes. On vous emmène avec nous mais on voit ça après le générique. Bon voilà les potos, comme on vous a dit, 4 brocantes ce matin, donc ça devrait être sympa. On n'arrivera pas à l'ouverture, donc Harmony a encore traîné le matin. C'est pas vrai, de toute façon c'est simple. La première... Mais je te charrie, rentre pas dedans là, je te charrie bébé, elle est partie pour les degrés. Bon, la première étant de toute façon à une demi-heure de chez nous, bah forcément on serait jamais arrivé à l'heure, ça c'est sûr. Oui. Donc de toute façon on prend le temps. Mais t'es pas... Elle a pas compris qu'encore c'était une vanne et elle est à la tête baissée, elle est dedans là. Non, je suis dans la voiture. Ouais. Donc voilà, 4 petites brocantes. Moi je sens bien ce matin, je sais pas. Parce qu'il y en a 4. Ouais, je pense que. Tu te dis, il y a 4 fois plus de chances de trouver quelque chose. Théoriquement, après tu me dirais, il en suffit qu'une seule. Tu peux faire 4 mauvaises et faire une matinée avec une seule et faire la bonne. Mais bon, je sais pas, je le sens bien, on verra bien. Et puis voilà. Nous on arrive dans 15 minutes à la brocante. Mais du coup, on va vous épargner les 15 minutes de trajet et on vous dit à tout de suite sur la première brocante. Oh, voilà, Chaos. Et moi, on vient d'arriver, alors ça a l'air tout petit. Donc bon, là, en train de regarder, je prends un jeu Pokémon. C'est une énorme brocante. Il y a que là. C'est énorme. Vous devez vous garder plein. C'est la première fois qu'on vit ça à Verdelo, donc oui, ça s'arrête là. Vous êtes dans l'entrée et dans la sortie de la brocante. Donc effectivement, très petite brocante. Heureusement qu'il y en a d'autres aussi à proximité. Mais courage pour l'avant. Merci, merci. On est ravis. Bon, alors là vous entendez le son de cloche parce qu'il est 7h et nous venons de faire la petite brocante derrière nous. 4 exposants. Même les exposants étaient déprimés. 4 exposants. Ils étaient dépités parce qu'il y avait vraiment 4-5 stands. Donc petite première brocante, chou blanc. C'est ça. On va voir pour les 3 autres. Alors c'est parti pour la deuxième, il n'y aura pas de compte rendu pour la première. C'est parti. Bon, alors là, ça y est, on est arrivé à la deuxième brocante, qui était pas très loin, juste à côté. Et donc, on va voir si c'est un petit peu plus nombreux ou pas que les autres. Non, mais je vous le dis. J'ai pas envie de donner ça à ce prix-là. Alors, bon, je vous prends. Ouais, ça change peut-être ça. Non, mais ça m'embête. Ça me fait penser à la brocante atypique qu'on avait fait. Et je pensais à la même chose. C'est vrai? Ouais. Mais là, je pense que c'est un vide maison ici. Il y a marqué brocante. Oui, mais. On pose des questions. Vous pouvez le filmer. On est en train de vous filmer en disant qu'il était venu acheter quelque chose. Ok. C'est rien. Je l'ai filmé. Ah, j'ai enlevé ça, hein. C'est l'eau qui est tombée. Rien du tout. Voilà. Hop. Vous l'avez filmé? Ah non, c'est pas vrai. C'est vrai. Ah bah bien sûr. Enfin, je vais pas vraiment me foutre de sa gueule parce que je pense qu'il s'est peut-être fait mal au dos. Parce que faut savoir que Chaos, ça fait. Hier, il a fait de la peinture. Il s'est un peu tordu le dos pour faire plein de trucs. On a soulevé des meubles aussi hier. Donc je pense que là, en fait, il a déjà mal au dos. Et il a juste voulu être gentil avec le monsieur. Mais je crois qu'il va le regretter tout à l'heure. On en reparlera. C'est pas ça le cheval? Non, on l'a jamais fait celle-là. Bon, comment tu vas mon cœur? Est-ce que ça va? Ça va. Ton dos, ça va? Je suis quasi sûr qu'on est déjà venu, je pense qu'il est garé comme ça sur ce côté ici. On avait continué par là. Ça me parle. Bon, faut savoir que Chaos c'est un petit peu... On va voir dans 10 minutes, il va me dire ouais non t'as raison, on l'a pas vu. Bon, mon chéri, ton dos, ça va? Oui, c'est bon. C'est vrai? Ah oui, ils sont lourds ces putains de meubles en bois là, les vieux meubles à l'ancienne là. C'était de la qualité, c'était pas les meubles Ikea qu'on a aujourd'hui. Ça t'a pas fait trop mal quand il est tombé? Non, non, ça va, ça va. C'est bon. Non, en fait, je suis tellement éclaté. Brocante, là, en fait. Non, t'es tellement en mode brocante. Non, en fait. Franchement, je suis tellement crevé, je suis tellement éclaté, que j'ai même pas calculé le truc qui est tombé, j'ai fait « Ah, il est tombé ». En temps normal, j'aurais eu le réflexe de le rattraper ou un truc comme ça, mais là, je l'ai laissé tomber. Hein. C'est normal, c'était pas des jeux. Non, je suis un peu... Bon, et donc là, on s'approche de la vraie brocante, et ça. Pas d'une maison. Voilà. Ah, il y a un petit peu plus de monde. Bon, il n'y a pas grand monde, mais il y a un petit peu plus. Mais du coup, c'est parti.
Il y a des petits impacts aussi. Non, c'est de l'eau. Il était un peu mouillé apparemment. Vous pouvez le faire à 4 celui-là ? Ah, c'est pas moi ? Ouais ? Vas-y, on continue. Allez, on va y aller. Je vais te dire à mon père de servir ton ensemble. Ouais. Toi, t'as des trucs comme ça. Ouais, il y a un peu de jeu. C'est du PS3. Il y a un repasse. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça combien les jeux ? Ça dépend. C'est pour quoi ? Jeux DS. De toute façon, tous les Mario, c'est 15 euros. 15 euros. D'accord. Et après, tout le reste, c'est 5 euros même pas. Et le jeu Switch ? Celui-là il a 20. C'est quoi ? Le jeu de boxe. Bon, bah il y avait quelques stands, un peu plus que tout à l'heure, mais malheureusement, on a presque fait chou blanc. Ouais. Hein ? Oui. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un petit Mario. Un petit Mario. Tu veux le faire en route ? Vas-y, allez, fais-moi ton petit compte-rendu. Le compte-rendu... Le compte-rendu presque voiture. Coffre route. Ah, ça va aller vite, hein. Hop, petit Mario... Tu sais que j'avais pas vu qu'il était mouillé. De ouf, ici, là. Enfin, je vais être asséché, mais... Dans cette là même à 4 balles, c'est pas si c'était une super affaire. Bon, en gros, voilà, un Mario... Super Mario Wii, 4 euros. Et je regrette déjà de l'avoir pris, parce que je me suis rendu compte qu'après, qu'il était mouillé, au niveau de la cover. Bon, pas l'affaire du siècle, quoi. Franchement, non, c'est... Est-ce qu'on avait déjà fait, alors, cette brocante, mon amour ? On y va ? Dis-le ! Le ! Donc, j'avais... Un mari génial ? Non, allez, le mari génial, il avoue quand il a tort. Il a raison. Ah ouais, tu la joues comme ça. Il a raison. J'avais quoi ? J'avais raison. Donc, on est d'accord. On est d'accord que j'avais raison et que ce n'était pas une brocante que nous avions déjà fait. Mais ce ne sera peut-être pas une brocante que nous referons. Ouais. On verra. Va falloir qu'on commence à se noter un petit peu les zones fructueuses et non fructueuses. Ouais. Bon, du coup, là, ça va être direction la troisième brocante qui, elle, se rapproche un peu plus des grandes villes. Donc, techniquement, je pense qu'il y aura plus de monde. Ouais, et... Et je pense qu'on aura peut-être un petit peu plus de choses, on verra. Après, au pire, ça reste quand même une bonne matinée balade. Et voilà ! Regarde, les petits veaux, là. Trop mignon ! Il y avait ta tête devant, là. Ah, il y avait ma tête devant. Regarde, là, il y a le cul du cheval. Pouah, j'ai pris le soleil en pleine tronche. C'est mignon, ça. Ouais, c'est mignon. Bon, là, on va arriver à la troisième brocante. Alors, effectivement, c'en est une qu'on avait déjà fait l'an dernier. Donc, voilà, hein, c'est ce que j'avais dit à Chaos, que celle-là, c'était sûr qu'on l'avait déjà fait. Donc là, maintenant, on va s'y rendre. Mais il faut savoir qu'ils ont mis des barrières comme ça partout. Donc, du coup, on s'est garé à Pétahouchnok. Donc, voilà, on marche. N'est-ce pas, bébé ? On marche. On marche. Et c'est parti! Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la grande bouteille de champagne qui était signe distinctif pour reconnaître cette brocante-là. Et là-bas, vous voyez au loin mon petit Chaos qui avance. Donc je vais falloir que je le rattrape, hein. Encore. J'en ai là devant. Ah, ouais. Bah non, t'avais pas vu. Bah non. Et là, tu peux pas dire que c'est le soleil. T'es mauvaise. Ah bah tout à l'heure, tu m'as fait le coup, donc... Ils sont à combien, du coup ? 4 euros. Et la console ? À 20 euros la console. 20 euros. D'accord. Ça protège les lunettes. D'accord. Ok, merci. De rien. 2 euros. C'est quoi que t'as vu ? Je vois pas. C'est ça. Ouais, je vais vous la prendre. Il a verrouillé un peu, non ? Ah, décolle un peu, ça décolle. Ouais. Décolle. Ah, moi, pour que ça pète. C'est quoi comme jeu ? Ah, tu veux voir les jeux ? Bah oui.
Non, je veux pas voir, ça m'intéresse pas. C'est Pin Dog. Châtel 2. Et les noirs. Révélation. Le premier. Petit GTO, etc. 5-2 et 0. Bonjour, ça filme. C'est ça. Ah, d'accord. C'est qui ce nom? Allô? Allô? À vous? À tout, jusqu'au bout, jusqu'au bout là-haut. J'ai mis les jeux, 5 euros. Et les consoles? 20 euros. Il y a des trucs qui t'interpellent? Ouais. Et moi, encore lui. Voilà. Je vais prendre des loups qui est jaloux, mais ça fait mal. Le petit jeunesse, c'est bon. J'aime pas vu, il est où? Il est là. Il est reposé plus loin, ouais, non. C'est pas... Ok, on y va? Si tu peux faire la console, avec un jeu, tu peux prendre les deux consoles. Viens, crois-faire avec un jeu. Non, une console, 15 euros avec un jeu, je peux te prendre les deux consoles. Sachez. C'est pas grosse. Il n'y a pas l'école. Les prises sont où? Oh, les prises. Ah, ils sont dans l'auto. Bon, bah voilà. Ils sont dans l'auto. Du coup, tu sais quoi que tu as négocié, chérie? Bah, les PS3. Et tu vas faire quoi, du coup? Tu prends quoi? Et ça, c'est les mêmes PS4. Je sais pas si... si... Ah, oui. Il y a les câbles et les manettes avec ça. Hein. Ouais. Pour les deux? Ouais, il y a les câbles. Ouais. La PC elle marche bien, y'a pas de problème. Non, y'a rien. Non, moi je joue avec. Ouais. Tu joues, je te prendrai les deux, puis un jeu avec. Ouais. Du coup, tu prends les deux pour. Bah, 15-15, c'est 30 quoi. Ce qui est dans le jeu. Il y en a qu'un sur deux. Ah merde. Dommage, hein? Ouais. Demandez? Bah, c'est au. C'est pas un oui, c'est sur toute la longueur. Ah ouais? Combien, combien tu donnes? J'en mets un parce que t'as même pas le jeu dedans. T'as que le CD de musique. Bah, combien tu donnes? Bah, 1 euro. Ouais, vas-y. Ouais, parce que t'as que le CD de musique, t'as pas le jeu. Salut. Ouais. Bonjour. Ça va combien les jeux? 10 euros. 10 euros. Et chez les jeux neufs. D'accord. C'est plus neuf. Ils ont vendu plein ce matin en plus. Hein. Ah, ils ont vendu plein ce matin en plus, oui. Ils ont vendu une dizaine. Ah. Ah bah ça ne se prend pas. Il est beau. Mmh. Regarde ce prix-là, vous savez que ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Ça marche. Merci. Rien. Bonjour. Bonjour. Poser un sac, on viendra plus. Hop. Ça va combien les jeux vidéo? Ça dépend lesquels. Ouais. Celui-là? Ouais, ça c'est 3 euros. C'est une base pour la PS2. Pour la PS2, ouais, c'était le socle. Celui-là c'est quoi? Ça, c'est 5 euros. 5 euros. C'est chez les Zodiacs. D'accord. Okay. Ok. Et après, les manettes, elles sont combien? 10 euros chacune, à part celle-là, parce qu'elle est un petit peu cassée, je l'ai mis à 7. D'accord. Et la base? La base, c'est 8 euros. 8 euros, d'accord. Ok. La PS2 en boîte? 80. Et tout le lot, c'est 180. D'accord. Parce que le volant, tout ça, ça va dessus. D'accord, ça avec la PS2. Ok, ça marche, merci. De rien. Il y a même des pains au chocolat, mais je ne les prendrai pas. Je vais essayer, j'y viens, je vais essayer d'être raisonnable. Mais j'avoue que la tentation est grande. Donc on verra si je craque ou pas pour un petit déj. De toute façon, le problème, c'est que... Si vous pouvez la faire à 15, je peux vous la prendre.
Bah 15 si vous voulez. De toute façon, faut que ça parte. Moi, ouais, parce que 20 c'était trop tout à l'heure. Je pouvais pas. Mais 15 c'est bon. Du coup, tu veux la mettre dans mon sac? Ouais, vas-y. Ouais. Allez, charge-moi, bébé. C'est bon? Comment? C'est bon? Presque. On avance. C'est toi qui as les sous, hein? Il y a le petit jeu avec, hein? Ça, ouais. Super. Celui qu'on a à chaque fois? Bah oui, mais c'est pour donner un fixe oeil. Parce qu'il me rappelle, il disait qu'il le voulait là, pour compléter son pack. Hop. Ah ou. Tu sais que les grandes affaires. Merci. T'as rien vu d'autre qui t'intéressait? Après, il y a les PlayStation. Mais tu te fous de moi, ça c'est des trucs à toi. Ah oui, mais c'est mon sac. C'est ton sac. Tu sais, j'allais dire, tu sais, il y a encore des PlayStation, mais c'est mon sac. Ah non, mais attends, ça fait. Je suis pas arrivé, je suis fatigué, là, c'est bon. Non, mais c'est bon, ce qu'il y avait là-dedans t'intéressait, tu l'as pris. Bah oui, ça trouve, ça m'intéresse vraiment parce que je re-regardais. Mon dieu. Là, je vais en avoir pour la journée. J'ai pas beaucoup dormi. Tu me fais trop rire. Il n'y a pas de soucis. Ah, c'est très bien. Ok, super, impeccable. C'est très bien, comme ça, ça nous permettra d'avoir de la monnaie. Bon courage et puis bah, bon déménagement au Canada, du coup. J'avoue, celle-là, je ne l'avais jamais faite. Alors, pour réexpliquer la situation, Chaos, bah, c'était un... Oui, vas-y. Oh là là. En gros, j'arrive au stand avec mes sacs de mes achats. Je pose les sacs pour pouvoir faire ma transaction. Et après, je regarde, je dis, oh, bah, elle a des jeux vidéo. Bah ouais, c'était mes sacs à moi. Donc j'allais lui racheter mes... Putain, et tu me l'aurais pas dit, j'aurais mis du temps à percuter. Si, j'aurais percuté quand j'aurais vu le Naruto, je pense. Ça m'aurait fait... Le steelbook, ça m'aurait fait percuter. Mais ouais, non, je suis excellent. Bon, puis là, donc du coup, c'est bon, là, on termine ce petit côté. Et... Ouais, je suis pas réveillé, là. Et puis on va aller sauter sur la dernière brocante. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça combien les jeux? Bon, allez, je vous laisse travailler, moi. D'accord. Bon, j'ai pas entendu. Merci. 5 euros. Voilà, c'est voilà. D'accord. J'ai pas entendu, il y avait un monsieur qui parlait très fort à ce moment-là. Regardez. Hop là. C'est des jeux auxquels tu as joué? C'est des jeux auxquels j'ai joué. Et tu as quel âge sans indiscrétion? J'ai 19 ans. 19 ans. Alors ça fait quoi du coup de jouer à des jeux rétro à 19 ans? Alors j'en ai gardé beaucoup quand même. Ouais. Mes préférés, je les ai gardés. C'était ta première console? Nintendo 64, ouais. Ah. Super NES puis Nintendo 64. Mais hérité de papa? Oui. Ah bah forcément. Ah ouais. Forcément. Mais comme quoi, hein, le rétro, mine de rien, oui. Les enfants, ça leur laisse un souvenir de fou, quoi. Il marche bien, il n'y a pas de soucis. Ah oui, t'as testé avec une fierté. Oui. Non, mais c'est vrai, hein, de jouer au jeu de papa. Bah ouais, carrément. Non, mais c'est cool. En fait, en gros, aujourd'hui, on a gagné en qualité d'image, d'animation, tout ça. Ouais. Mais on perd en côté. Il y avait un côté presque humain dans les jeux avant. Ouais, ils n'avaient pas beaucoup de technologie, mais du coup ils se sortaient les doigts du rien pour pouvoir sortir des trucs intéressants. C'était un autre rapport. Et puis je trouve que les mecs qui faisaient les jeux à l'époque, ils étaient plus passionnés. Mais jouer aux jeux rétro et aux jeux de maintenant, c'est totalement différent. Ouais, c'est ça. Je vais te prendre celui-là. Enfin, du coup, c'est quoi que tu prends? Ouais, c'est juste parce que c'est l'arme fatale et j'aimais bien les films quand j'étais plus jeune. Et c'est ça que tu me les as fait voir. Ah oui, parce que je suis un petit peu plus vieux que madame et du coup je lui ai fait découvrir des trucs de ma jeunesse. Bah c'est génial! Des films qu'elle connaissait pas. Elle me dit, ah t'es vieux! Bah ouais, moi aussi je prends du rétro. Ah ouais, mais. Oui! T'es du rétro? Oui! Ah oui, je suis. Ça parle de moi là! Il a dit que c'était plus humain. Voilà, c'est ça. Plus chaleureux, de meilleure qualité. Ça. Ça dure plus dans le temps. Là, j'en rajoute. Là. C'est ça. Ah, mais bon, c'est très vite usé aussi. Voilà. Hein. Super, bah, je te remercie. Bonne journée. Bonne journée. À vous. Au revoir. Ouais, la licence L'âme fatale, c'est marrant. Quoi. Ça me rappelle les films. La nostalgie du vieux. Ouais, c'est du vieux. Ouais. Bon, je le charrie, mais vous inquiétez pas, c'est juste du charriage. Du charriage. Voilà. Mais ouais, dans l'arme fatale, c'est sympa, je vais voir ce que ça donne, quoi. J'ai une plante qui s'est collée à moi. Oh là là. Attends-moi, faut que je me décolle. Oh, et va falloir que tu me décolles. Quoi? Bah, regarde. Lève ta jambe. Je vais tomber. Appuie-toi, ouais. Ah ouais, c'est collé de ouf, hein. Mais oui, c'est collé. C'est les trucs, tu sais... Oui, je connais. Hop, allez, c'est bon. Ouais,
Il a dit c'est bon. On va pas aller dans le détail. Ouais, on va pas aller dans le détail. Je ne fais pas de la couture. Donc là, Harmonie est en train de s'épiler le pantalon. Parce que quand elle l'a retiré, et ben ça lui a retiré l'épaule de sa jambe. Non, ça n'a rien à voir avec quoi. N'importe quoi. Non, c'est la... de plante oui. qui a collé à mon pantalon et en fait les trucs ne veulent pas s'enlever donc je suis obligée d'enlever les brins un par un. D'accord. Donc je me retrouve à épiler mon pantalon. Donc, compte rendu de la troisième brocante ouais. où nous avons trouvé un petit peu plus de choses donc c'est pour ça que nous pouvons vous offrir un compte rendu digne de ce nom. Ah ouais, c'est bien. Donc, hop, ça met là, PS3. Enfin, j'ai le soleil qui, du coup, je sais pas si on verra bien. Deux PS3. Voilà, deux petites PS3, donc deux modèles différents, c'est cool. Avec donc deux jeux, donc Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood. Je les ai pris parce que c'est les versions avec les boîtes brillantes. Regarde, ouais, c'est pour ça que je les ai pris. Et moi, je crois que je les ai pas en brillant. Ouais, c'est truc de, à la con, mais après, il y avait deux manettes par console qui sont en plus en bon état. Hein. L'état est cool, hein. Ils sont assez en bon état. Donc, quatre manettes. Avec les deux alimes, il n'y a pas les câbles HDMI, mais c'est pas grave. Donc les deux PS3 avec les quatre manettes, les deux alimentations et les deux consoles pour 30€. C'est correct. Et au même stand, après que j'ai vu, après coup, qu'il avait le steelbook de Naruto Ninja Storm, mais il n'y a pas le jeu. Il y a juste le soundtrack. Donc c'est la musique du jeu en fait. Mais le jeu, je peux le récupérer. Il vaut rien ce jeu. C'est un jeu à 1 ou 2 euros. Donc je le récupérerai, je le mettrai dans mon steelbook, il sera complet. Et je le trouve joli, avec Sasuke et Naruto, je trouve sympa. Je vais mettre là pour pas que ce raye avec le reste. Ici, qu'avons-nous? Ah, j'avais oublié ça. C'est génial. Le Venom, alors ça c'est une des plus belles trouvailles, je trouve. Je trouve ça génial. Je sais pas combien ça vaut, pareil, je m'en fous, je le trouve beau, donc l'essentiel c'est qu'il me plaise. Donc il se démonte et se monte. Beaucoup de choses. Le Venom, il est vraiment beau, de taille correcte, je trouve. Il est aimanté, la base est en métal. Et en fait, à ses pieds il y a et mains, il y a des aimants pour qu'il soit maintenu. Donc, je sais pas si tu le mets comme ça ou comme ça. En tout cas, il tient, tu vois, ça vient. Donc, et je trouve très beau. 2€. Franchement, c'était plutôt cool. Ensuite, on passe à mon sac. Alors, ça, c'est en remontant. Donc, au passage, j'avais demandé le tarif pour une console Wii noire rétrocompatible. Elle m'avait annoncé 20€, j'ai fait Donc j'ai continué mon chemin. Et puis j'ai laissé mûrir un peu le truc. Donc je l'ai récupéré sur le retour. Elle est fournie juste avec le petit jeu Wii Sport qui était fourni dans le pack. Avec tout le câblage. Et puis un lot de deux manettes Nunchuk officielles. Que j'ai eu donc pour 15€. T'as bugué ? C'est vraiment le prix max que je mets dans une Wii. Ah, il y a le petit truc plus, c'est cool ça, j'ai pas fait gaffe. C'est pour améliorer la connexion. Ouais, certains jeux ils la demandent. Et du coup, ouais, je l'ai payé 15. C'est le prix vraiment max que je mets dans une Wii. D'habitude, je mets 10, mais là, c'est une noire. Il y avait deux packs manettes Nunchuk officielles. Ouais, je me suis dit, bon, voilà, on va mettre un peu plus. On va attendre un petit peu parce qu'il y a la voiture qui démarre, qui fait du bruit. Tiens. Du coup, petit bilan, donc on a les deux PS3 avec deux jeux, quatre manettes pour 30€. La Wii rétrocompatible noire avec deux manettes de Nunchuk, la deux Wiimote de Nunchuk pour 15, le Venom pour 2, le Steelbook Naruto pour 1. Et juste avant de partir, un petit jeune homme qui avait un stand, donc un petit jeu SNES en loose, l'arme fatale. Donc c'est rare que je prenne de la SNES parce que tout simplement j'en trouve jamais. Et puis bah, pour le coup, il m'a tiré l'œil celui-là. Je vais voir ce que ça donne, ce que ça vaut. Donc, je suis assez content. Je pense que ça va être un petit jeu d'aventure. J'ai jamais testé, hein. Je connais pas du tout. Ça va être un petit jeu d'aventure, tu sais, genre un run and gun, t'avances, tu tires, un truc comme ça. Je pense, hein. Je sais même pas en fait. Et on l'a eu pour 5€. Voilà. Donc voilà, donc là, est-ce qu'on va à la direction de la quatrième? Oui, oui. T'es pas rassasié, hein. Non. Allez, c'est parti, direction de la quatrième brocante. Pourquoi bah les jeux Wii tu veux pas les petits jeux Non, Vetex ça m'intéresse pas. C'est pas bien cher toujours. C'est du débarras là. Celui-ci qui peut m'intéresser. C'est ceux qui sont les plus chers. Peut-être celui-là. Lequel? Celui-là et peut-être celui-là. Ouais.
15 les 3. Et ça par contre c'est plus cher. C'est combien? Merci. C'est comment ça? C'est genre comme des vieux jeux électroniques en fait. 81. Grosso modo. D'accord. Et la Wii Tech 81, la Wii je suis à 15 balles la Wii complète. Parce que c'est une version. Ouais, c'est slim. De quoi? Je t'aurais pris ça, à 10 Wii, si tu veux la Wii, après ça va être plus. Ça c'était la dernière avant. Ça c'est fait. Bonjour, oui. Allez-y. Oui, c'est moi, oui. Ça fait combien? 5 euros. Il est tout neuf. D'accord, parce que je voulais demander si. Il a jamais servi. Enfin, il a jamais servi, tout neuf, vraiment. C'est ce que j'ai, là. Du coup, ouais, j'en étais ça. Où? Ouais, ça, je peux prendre 10 si tu veux. Mais ouais, et ça, tu voulais, dire, tu voulais quoi? Ouais, non, ça fait trop cher, ouais. Bah, si je fais à 20 avec les 3 jeux, ça te convient pas? J'aime pas. Ah oui, je réfléchis parce que. Et en plus, on est filmé. Et ouais. Et en plus, je vais faire la vidéo, je vais mettre la musique. Ah, je resterai sur 10 ou alors 15 avec les jeux, mais après, je peux. Non, parce que je suis gentil, vas-y. C'est vrai? C'est bon? Ah, bah c'est cool. Voilà. Non, mais je vais mettre avec. Merci beaucoup. On va mettre avec elle. Ouais, merci vrai. À vous. Bah, de rien, ça fait plaisir. On est là pour ça. Bah oui. Bah, bonne journée, bon courage. Merci à vous aussi. Ça marche. Les garçons sur notre stand. Allez, vas-y, chérie, tu vas y aller, mais. Attends, en fait, je vais me mettre dans l'autre sens. Rien à voir. Oh, regardez. GTA, c'est ça? Non, intérieur. Ah, j'avais pas vu, ouais. Ça s'écrit pas pareil, par contre. Non. C'est pas la même orthographe. Pas la même harmonie, moi. Non. Bonjour. Bonjour. Ça a combien les jeux? Ça a 5 euros. 5 euros, d'accord. Et c'est pas bizarre. Ok, merci. Merci aussi. Dans la collection objets insolites. J'ai le droit de regarder. Mais oui, là, bonjour. Ça a combien? Comment? Ça a combien les tirelires? 1 euro. 1 euro. Bonjour. Elle a combien la figurine? 5 euros. 5 euros. Vous la ferez à 4? À 4, oui. Bon, allez, c'est parti. Alors. On va se laisser tenter. Oh bébé, tu veux faire des gages à gogo? C'est quoi? Apéro Family. De 5 à 150. Mime qui je suis, ni oui ni non, plein d'autres jeux. Eh, va pas trop loin, t'as ça à mettre dans le sac. Faut que tu freines. Enclenche la marche arrière. Je suis déjà en moulot. Enclenche la marche arrière. J'accélérerai pas. Oh, voilà. T'es vraiment lente. Oui, je suis lente, je prends mon temps. En plus, t'as mis la boîte, j'ai tout ouvert dans le truc. Oh, heureusement que le jeu est neuf alors. Ah ouais, les cartes sont pas plus volées. Ouais. Alors là, il y a deux trucs qui m'intéressent. Quoi? Le Artemis Fall, ouais. Le Harry Potter 1 que Enzo, ben, on ne sait pas ouais. Où c'est passé. Ouais. Et là-dedans, dans la quête de Belphora, où je regarde, je crois que j'ai le troisième. Et donc du coup, ça m'intéresserait d'avoir les deux premiers. Là, il y a tout ça qui m'intéresse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Alors... Ah, les livres, je te laisse faire, c'est toi qui te débrouilles. Bah écoute, merci bien. 8 euros, on dirait. Allez, 8 euros. 8 euros, ouais, super. Elle est conciliante, là. Elle est adorable. Et puis je te laisse négocier, faut bah, j'essaie de négocier, tu vois. J'essaie, mais bon, j'ai un expert à côté de moi. Ah oui, je te laisse faire, là. Bon, t'es contente, t'as tes petits livres? Oui, je suis contente. Moi, je suis un peu comme ça aussi, alors. Bonjour. Bonjour. Ça combien les deux figurines? 50 et 40. Bon voilà les potos, du coup on se retrouve avec effectivement deux PS3 Slim, 4 manettes. On a une Wii noire, on a une Wii mini avec tous les câblages, les Wiimotes. Quelques petits jeux, ouais, pas des gros titres mais ça reste cool quand même. Ça c'est mon fameux jeu que j'ai pris tout à l'heure qui était mouillé, là je suis dégoûté. Je voyais rien avec le soleil. Petite pop, la pop ça me fait plaisir. Il y a un petit lot de livres pour harmonier, voilà. Donc c'est pas la brocante de la folie, mais on a trouvé quand même quelques petits trucs. Voilà, voilà les potos. Bon voilà les potos, du coup, retour de ces quatre brocantes. Les deux premières chou blanc, la troisième un peu mieux, quatrième ça passait. Sur le retour, je laisse expliquer. Sur le retour, j'étais un peu dans mes pensées, j'avais le soleil dans les yeux et puis bah, en fait j'ai pas vu et je me suis pris, enfin on l'a vu après. On s'est fait flasher. Voilà, on s'est fait flasher.
Donc on s'est pris un petit flash et donc du coup bah, une belle amende qui va nous attendre, qui va nous arriver d'ici quelques jours. Un coup de 45 euros je pense, c'est ça que tu disais? Ouais je pense parce que je devais rouler à 80 au lieu de 70 et donc ouais. Et pour fêter ça on s'est pris un petit McDo au passage, voilà. C'est pour se réconforter. C'est ça. Donc un conseil, soyez toujours vigilants sur la route ou sinon vous faites comme Chaos, vous passez pas le permis, comme ça vous n'avez pas de points à perdre. Oui c'est ça. Donc sur ce, on va vous faire des gros gros bisous et puis ben, on vous invite à laisser votre petit commentaire, votre petit pouce et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Générique.